PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Salut Byron. Premier match de la saison au Parc des Princes face à Montpellier, score fleuve, que retiendras-tu de cette soirée? Le nombre de buts marqués par le PSG, le nombre d'occasions par les Parisiens, ils ont fait un bon match, j'ai trouvé un bon match. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé dans la prestation parisienne, c'est qu'ils étaient proches les uns des autres. Tout le monde attaquait, tout le monde défendait. Il y avait très peu d'espace entre la défense, le milieu et l'attaque. Et même à un moment, en première mi-temps, on voyait Ramos qui était quasiment à la limite de la surface de réparation en attaque placée. Ça veut tout dire. Et même quand on perdait le ballon, on récupérait rapidement le ballon. On voyait des pressings, des retours de Neymar, de Messi pour épauler Verratti et Vitinha au milieu. Une bonne prestation d'ensemble des Parisiens. Je sais qu'on est en début de saison, donc c'est difficile de parler d'un 11... récurrent ou décisif, ouais. Tellement des joueurs arrivent, certains partiront également. Mais il semble que j'allais parler de l'Argentin, mais c'est bien le Français. Galtier a son effectif, a sa formation, a son 11 de départ. Qu'en penses-tu toi? Déjà, ce qu'on voit là, c'est on voit un peu ce qu'il veut, comment il veut faire évoluer le PSG. On voit que Paris fait beaucoup moins de touches de balle par rapport à la saison dernière. Ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Très peu de touches de balle selon les joueurs. Hein. Même les joueurs qui ont tendance à beaucoup porter, comme Neymar par exemple, il a le ballon, il percute et il essaie de renverser les ailes. Par exemple, côté droit sur Hakimi, on l'a beaucoup vu Hakimi en première mi-temps. C'est pas hasard parce que Neymar a vu qu'il était souvent esselé, donc il le cherchait. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est les renversements d'ailes. Quand on attaquait à gauche, on finissait à droite. Quand on attaquait à droite, on finissait à gauche. Et c'est pas hasard si on l'a vu beaucoup les latéraux comme Nuno Mendes ou Hakimi ce soir. D'accord. Un dernier mot pour Mbappé, qui a commencé sa saison compétitive. Qu'en as-tu pensé? Première mi-temps, difficile. Difficile, pas très en jambes, un peu bougon, je l'ai trouvé, il était devant moi. Et même sa manière dont il a tiré le pénalty, c'était pas franc, il n'était pas dedans. Et même l'action où Neymar récupère le ballon, il est tout seul, face au gardien, il tire pas, il tergiverse, il dribble et tout ça. Mais en deuxième mi-temps, il s'est réveillé, et c'est le principal. Merci à toi. Merci à tous, et ça fait plaisir de revoir toute l'équipe de PSG Fan TV. Et le magnifique stade qui est le Parc des Princes. Le plaisir est partagé. Bonne soirée à tous. Merci.